On est complet ? Complet les spectateurs ? Bah oui. Ah, c'est full. Et non. Je pensais à un truc, mais j'osais pas tellement, tu vois, j'avais une idée de fou. Vas-y. Puis finalement, je la laisse aux oubliettes. Non, bah vas-y, dis-moi. Si, non, j'ai pas envie de m'imposer, c'est un peu délicat pour moi. Bah dis-moi, de toute façon, c'est vrai que... Je vais interpréter le rêve du pêcheur de Woolsey. Est-ce que c'est possible? Franchement, c'est une idée magnifique, mais Ox, elle est tellement magnifique. Et tu sais quoi? Il y a mes potes qui viennent de Bretagne. Elle est tellement magnifique qu'elle a déjà prise l'idée. Mais qu'est-ce que je vais faire comme chanson, alors? J'ai une idée qui est assez... Franchement, j'espère qu'elle va te plaire, parce que, à mon avis, pour toi, c'est caviar. Mmh. C'est en fait... tu rentres dans le théâtre, tu rentres à la cité, tranquille, naturel, sûr de toi, tac, 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 t'avances, tu prends ton billet. Tu prends ton billet et là, hop, avec les gens, les spectateurs, tu te mêles comme ça, un petit balai, et tu rentres dans la salle, tu t'assois, tu regardes le spectacle. Quand c'est drôle, tu ris. Quand c'est émouvant, tu pleures. Tu vois, t'es dans le spectacle comme ça, t'es investi. Et à la fin, t'applaudis. T'applaudis, mais t'applaudis comme un ouf. Tu vois? Et je chante pas alors? A priori, non, tu chantes plus. En fait, t'es dans le public, en fait. Mais t'es dedans, tu vois, dedans, comme ça. Tu participes au spectacle du fait d'être dans le public. Je vais payer ma place. Ah non, Ox, on t'invite. Ah non, ah non. Ah non, là, tu peux pas me faire ça. Non, on t'invite.